Bonjour, you see, it's become clock. Yeah, it's supposed to go like that. Ok, bonjour tout le monde. Mon nom c'est Chantal Nguessan. Ok, je veux mettre la lumière sur la chasse aux sorciers en Afrique. Donc, la personne qui est accusée de sorcier ou sorcière, la personne qui croit que son père est sorcier ou sa famille est sorcière, voici la bonne nouvelle. La bonne nouvelle est que dans Jean 3, verset 16, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne soit pas perdu, qu'il ait la vie éternelle. Ok? Donc toi, tu as cru que ton père est sorcier, ta mère est sorcier, ta famille est sorcière. Je t'annonce la bonne nouvelle est que Jésus-Christ est venu pour nous sauver du péché. Au fait, l'esprit sorcier, c'est l'esprit du diable. L'esprit sorcier ne vient pas de Dieu, mais du diable. Et encore, toi tu crois à la sorcellerie, je te dis que dans la Bible, Dieu a dit ne jugez personne. Alors, si tu es allé dans une église, qu'on te dit que tu es sorcier ou sorcière, dans la Bible, c'était dit ne jugez personne. Et je te dis, ne permets pas que les gens te demandent combien de personnes tu as tuées. Parce que ce que les gens doivent faire au moins, c'est de t'annoncer la bonne nouvelle que Jésus-Christ est mort pour tes péchés. Les péchés font partie de la sorcellerie. La sorcellerie, c'est l'esprit satanique. Nous sommes nés dans le péché. Adam et Ève, ils ont péché. Donc, le péché est rentré dans le monde à cause d'eux. Donc, quand tu vas dans une église, ne permets pas que quelqu'un te demande combien de personnes tu as mangé. Qu'est-ce qu'ils font? C'est un jugement. Donc, si tu es quelque part qu'ils sont en train de juger, quitte. Tu dois aller dans un endroit où on doit te dire, Jésus-Christ est mort pour tes péchés. Repends-toi de tes péchés et voici comment tu dois te repentir. Tu t'abandonnes. Tu lèves tes deux bras en haut, tu dis « Seigneur, je m'abandonne, je reconnais que Jésus-Christ est mort pour mes péchés, je me repens, viens vivre dans mon cœur, je reconnais que Jésus-Christ est ton fils, est le fils de Dieu, pardonne-moi mes péchés, je me repens au nom puissant de Jésus. » Et là, si tu te repens, l'Esprit Saint viendra vivre dans ton cœur, en toi, et t'aidera à comprendre la Bible. Et c'est comme ça se fait. N'allez pas là où on vous dit combien de personnes tu as mangé, combien de personnes tu as tué. Parce que la Bible nous dit ne jugez personne, ne jugez personne. Donc c'est un jugement. Le jugement est donc réservé à un Dieu qui n'est pas encore venu. Il est venu pour nous sauver, mais il n'est pas encore venu pour juger. Donc ne permets pas que quelqu'un te juge. Ne permets pas que quelqu'un traite ton enfant de sorcier, dis à ton enfant, dis-nous combien de personnes tu as mangé. Ne permets pas ça parce que c'est un jugement au fait. Le jugement n'est pas, le jour du jugement n'est pas encore arrivé. Donc le jour du jugement est réservé au Christ, à Dieu, à un Dieu, pas aux humains. C'est le temps de la repentance. Le temps du jugement n'est pas encore arrivé. Pourquoi les gens font la chasse aux sorciers? Ça, ce n'est pas dans la Bible. Jésus n'est pas venu pour faire la chasse aux sorciers. Jésus est venu pour annoncer la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle est que qu'il est venu pour nous délivrer du péché. La sorcellerie fait partie du péché. La sorcellerie, le sorcier, c'est Satan. Il est venu nous arracher du Satan. Et il a déjà vaincu l'ennemi qui est Satan. Donc, ne permets pas qu'on te traite de sorcier, ne permets pas qu'on accuse ton enfant, tu ne permets pas qu'on pose des questions à ton enfant. Non, ça c'est l'erreur, ça c'est un jugement. C'est un jugement et arrêtez de juger les gens, arrêtez de condamner les gens. Ça c'est un jugement. La Bible nous dit dans Osée 4, verset 6, « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. » Ceux qui le font, c'est parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Ils n'ont pas la connaissance. C'est pour cela,
quand tu vas dans leur église, on te demande combien de personnes tu as tué, combien de personnes tu as mangé. Non, c'est pas, Jésus n'est pas venu pour Jésus. Jésus est venu pour nous sauver du péché. Et il a vaincu le mal. Donc tu t'abandonnes, tu dis je m'abandonne, je donne ma vie au Christ. Et c'est la repentance, c'est l'heure de la repentance, ce n'est pas l'heure du jugement encore. N'allez pas là où on juge, n'allez pas là où on condamne. Ça, c'est les œuvres sataniques, ça ne vient pas de Dieu. Dieu ne condamne pas encore, Dieu n'est pas venu pour juger encore. Jésus-Christ est venu pour nous sauver. Arrêtez d'aller là où on juge, là où on condamne. Ça, c'est l'œuvre satanique, c'est l'œuvre du diable. Ça ne vient pas de Dieu. Toi, tu as cru que ta mère est sorcière, ton père est sorcier. S'il était sorcier, tu n'allais pas sortir de son ventre, de la ventre de ta mère vivante. Ne crois pas aux mensonges, c'est des mensonges sataniques. La Bible nous dit que Satan est le père des mensonges. Donc là où il y a mensonge, là où il y a jugement, là où il y a condamnation, n'allez pas là-bas. Non. Ça ne vient pas de Dieu. Tu vas là où on te dit Jésus-Christ est mort pour tes péchés, repends-toi, donne ta vie au Christ. Et c'est là que tu dois rester pour avancer. Et là, quand tu donnes ta vie, le Saint-Esprit va t'aider à comprendre la Bible. Parce que si tu n'es pas repenti, si tu n'as pas encore donné ta vie, tu ne peux pas comprendre la Bible. Ce n'est pas le Saint-Esprit. La Bible a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, par le Saint-Esprit, on peut comprendre la Bible. Par le Saint-Esprit, on peut comprendre que le péché existe, que nous sommes nés dans le péché. Donc, c'est ça. La sorcellerie en Afrique, les chasses aux sorciers, ceux qui emmènent les vieux, les vieillards dans la forêt pour les tuer, pour les battre, c'est de n'importe quoi. Ça ne vient pas de Dieu, c'est les œuvres sataniques. Le tueur, celui qui est venu pour tuer, détruire. Ça, cela vient de Satan, ça ne vient pas de Dieu. Jésus-Christ est venu pour nous sauver, pas pour tuer les gens. Celui qui tue, c'est Satan qui tue. Donc, c'est ça mon message.